Dans le nord de ce vaste territoire du Québec, l'homme et la machine se sont mis à l'œuvre. En date du 1er janvier 1959, voici le rapport d'avancement de la première étape du projet de mise sur pied de la compagnie minière Québec-Cartier, basée à Port-Cartier et exploitant le gisement de Lac Janine à 200 milles plus au nord. À près de moins 40 degrés Celsius, à travers un brouillard de cristaux de glace, on s'affaire à dégager la surface de la mine de Lac Janine. D'ici peu, ce sera au tour des foreurs et des dynamiteurs de fragmenter la montagne et son minerai que l'on transportera par camion jusqu'au concasseur. Par équipe de deux, des experts en décapage retirent les arbres et les broussailles à l'emplacement de la future mine. De l'autre côté du lac, on aperçoit les zones précédemment déboisées où seront construits le concentrateur et le concasseur, ainsi que la ligne de chemin de fer entrecoupant le chantier initial et la première route d'accès. Dans un autre secteur, une équipe s'affaire à retirer la roche de surface et à niveler le terrain en vue de la construction. Protégée au moyen de panneaux isolants, l'entrepôt sera la première bâtisse à se dresser dans cette tourbière boréale. À l'autre extrémité du site, on construit un abri temporaire en toile autour des fondations. Cet abri permettra l'installation de chaufferettes pour maintenir la température à 50 degrés au-dessus de zéro pendant 5 jours et pour rendre possible le durcissement du ciment fraîchement coulé. Dans ce pays de froid et de glace, les obstacles sont nombreux. À quelques milles de là, la rivière Hart Jaune coule à flot malgré le froid qui saisit tout. À l'emplacement de la future centrale hydroélectrique, une pelle géante s'affaire à débarrasser la paroi rocheuse que l'on vient de dynamiter. À quelques mètres plus loin, des hommes s'affairent à construire des caissons de bois qui serviront à dériver le flot de la rivière et assécher le futur emplacement des turbines. Ailleurs, au barrage réservoir, des équipes de décapage procèdent au déboisement de la zone inondable, ayant parfois à composer avec une neige épaisse et abondante. En amont de la centrale et du barrage réservoir, un déversoir de 600 pieds de large est mis en place. Dès le 1er mars, la rivière sera détournée de façon temporaire au moyen d'une digue et d'un bâtard d'eau dans le but d'accélérer la construction des barrages principaux et intermédiaires qui ne sont encore aujourd'hui que des lignes d'arpentage. À 200 milles au sud du lac Janine, le long du golfe du Saint-Laurent, un vaste terrain dégagé indique l'emplacement d'un port temporaire, bientôt appelé à devenir le port en eau profonde de Port-Cartier. C'est là que des navires, recouverts de glace, laissent leur chargement de traverses et de rails. C'est sur ce sol encore nu et gelé qu'on entendra bientôt résonner le sifflet de ces longs trains apportant leurs précieux minerais en provenance de lac Janine. Bien qu'elles ne ressemblent encore qu'à des sentiers perdus dans cette forêt du Grand Nord, les rues de Port-Cartier sont bientôt envahies des bruits de la circulation et des familles au rythme trépidant d'une ville moderne. Plusieurs des bâtiments érigés sont de type préfabriqué, qu'il suffit alors d'assembler sur place. En parallèle avec la construction résidentielle, on procède à la mise en place des infrastructures municipales dans le but d'accommoder la future population de Port-Cartier. Vu de là-haut, ces énormes machines de terrassement ressemblent à des jouets. Le lit de la route d'accès ressemble à un serpent géant se faufilant de la sortie du port jusqu'à la mine, au nord. À ce stade des travaux, on a établi le quartier général de l'équipe de construction du chemin de fer au millage 6 de la route d'accès. À proximité de ce camp de base, se dressent comme des géants dans la forêt les machines qui serviront à ériger le pont au-dessus de la rivière aux Rochers, ce qui constitue en soi tout un défi. À proximité de la rivière, un autre géant sert ici à débarrasser le lit du chemin de fer de cette couche de mousse qui le recouvre aujourd'hui pour ainsi asseoir le chemin de fer sur un sol ferme. Aucun chemin de fer n'a jamais fait l'objet d'une planification et d'une ingénierie aussi rigoureuse. La réalisation de ces plans se fait en utilisant les techniques et engins de terrassement les plus modernes qui soient. Plusieurs projets différents sont réalisés en simultané le long de cette ligne de 200 milles. Partout, le grondement des machines se fait entendre en signe de progrès. Des flottes entières de ces énormes camions déversent leurs charges de déblais dont s'échappe constamment cette vapeur en raison du froid intense. Niveleuses et compacteurs suivent de près.
il forme le lit qui accueillera bientôt les rails menant au nord, à travers des montagnes d'un vert profond. Ici, comme le long de la route, le matériel excavé à un endroit sert de remplissage ailleurs. Puisqu'on doit forer d'énormes trous dans la paroi rocheuse en vue de son dynamitage, des équipes de forage suivent immédiatement les équipes de décapage. Précédant chacune des équipes, les arpenteurs vérifient chaque pied de la route, chaque pente et chaque virage. C'est un travail gigantesque, un travail de titan, et tellement bien planifié que les caractéristiques de chaque mille de la voie sont maintenant connues comme la paume de la main. Dans peu de temps, on pourra voir les trains défiler sur ces rails entre Port-Cartier et Lac-Janine. Le projet va bon train dans son ensemble, bien en deçà des échéanciers prévus, et ses progrès se poursuivront malgré les plus sévères mois de l'hiver qui attendent nos équipes. Oui, on peut l'affirmer, on progresse à grands pas dans le nord du Québec en ce 1er janvier 1959. Port-Cartier, 1er août 1959. À mesure que la brise glaciale de l'hiver cède sa place à la douceur du printemps, les équipes de construction se pressent partout sur les divers sites du projet de développement de la compagnie minière Québec-Cartier. Ici, les hommes et les machines sont engagés dans une course effrénée contre la montre. Une course que le climat subarctique arrive parfois à freiner, mais jamais à arrêter. De Port-Cartier, situé sur le fleuve Saint-Laurent, à la mine de fer du lac Janine, divers projets de construction sont menés simultanément, tous bien alignés vers un but commun, l'achèvement de l'une des grandes aventures du fer canadien. Port-Cartier, directement situé sur le golfe du Saint-Laurent. Appelé à devenir bientôt l'un des bassins de mouillage les plus profonds au Canada, le port de Port-Cartier est totalement sculpté dans le littoral. L'un des nouveaux brise-lames, s'avançant dans le golfe à la manière d'un gigantesque hameçon, fournira la protection et la sécurité à tous les minéraliers appelés à mouiller à Port-Cartier. Cet immense bassin artificiel aura une superficie de pas moins de 25 acres, avec une profondeur minimale de 50 pieds, même à marée basse. À quelques centaines de verges de là, se trouve le début de ce chemin de fer, long de quelques 193 milles et qui a nécessité des mois d'études et d'ingénierie. Traversant une forêt boréale pratiquement impénétrable, ce chemin de fer constituera le principal lien entre la mine de Lac Janine et le port de Port-Cartier. Jour après jour, l'équipe d'arpentage, avec ses théodolites, ses niveaux et ses chaînes d'arpenteurs, guide le tracé de plus en plus loin au cœur de ce territoire vierge. Et l'équipe de construction les suit de près, soulevant, ajustant et fixant des tonnes de rails et de traverses. Lorsque la mine sera en pleine production, le chemin de fer devra transporter jusqu'au port plus de 8 millions de tonnes de concentré chaque année. Puisque la production prévue est sensiblement la même en hiver qu'en été, le chemin de fer devra pouvoir maintenir son rythme à l'année. Avec ses 200 000 de voies, le chemin de fer traverse 17 ponts et 5 tunnels creusés dans le roc massif, dont l'un mesure presque 1500 pieds. Déjà bien avancé dans sa phase de construction, ce nouveau secteur résidentiel au cœur de Port-Cartier accueillera, une fois terminé, plusieurs des employés de la minière et leurs familles.
des maisons jumelées et unifamiliales, des églises, des écoles, un hôpital, des centres commerciaux et un hôtel des plus modernes ne sont que quelques-unes des infrastructures de cette nouvelle communauté. En se basant sur les nouvelles techniques de planification urbaine, on a décidé de réunir les industries de services légèrement à l'écart des zones résidentielles. Un peu plus haut, sur la voie ferrée, près du camp de base du 1006, l'érection du plus imposant des ponts se poursuit selon l'échéancier prévu. Le tablier de ce pont chevauche une gorge large de plus de 330 pieds et s'élève à 90 pieds au-dessus de la surface d'une eau cristalline bleue. Pendant qu'une grue géante permet la manutention de poutrelles d'acier, des experts procèdent à leur soudage à l'aide d'un chalumeau. Une fois les supports et les poutrelles soudés et boulonnés ensemble, la grue s'avance doucement pour soulever en position verticale la première des deux parties latérales du pont. En observant le tracé sinueux du chemin de fer, n'est-on pas justement porté à questionner le choix du tracé? Quel est donc le meilleur chemin pour traverser cette épaisse brousse jusqu'à la Gjanine? Pour répondre à cette question, on a dû recueillir des données en faisant appel à des spécialistes en plusieurs domaines. Formation géologique, drainage des sols, emplacement des matériaux de remblai, topographie, décapage, excavation. Le traçage d'une route dans cet environnement inhospitalier a nécessité des mois d'ingénierie et l'étude de 13 autres options à la suite d'un an de relevé topographique. Ici, au 1180, on poursuit la construction d'un autre pont pour le chemin de fer alors qu'un bulldozer nettoie le lit de la rivière. Une grue attend la commande du signaleur pour procéder au levage de sa charge. Environ 1 mille plus au nord, le long de la rivière Arjone, on poursuit la construction du barrage réservoir en moraine. Ce barrage servira à hausser le niveau du petit lac Manicouagan et régulariser le flot de la rivière Arjone, principale source d'énergie du complexe minier. Ici, des ouvriers procèdent à l'enlèvement des coffrages d'une partie du barrage. Environ à mi-chemin entre le barrage réservoir et la centrale se trouve la digue intermédiaire de régulation. Du haut des airs, les cicatrices laissées par la construction témoignent de l'ampleur des travaux et des progrès accomplis dans ce secteur. Au-delà du site des barrages se trouve l'emplacement de la future centrale. C'est cette dernière qui produira toute l'électricité nécessaire à alimenter le concentrateur et la mine de la Gjanine, ainsi que la ville de Gagnon. Pour parvenir à produire toute cette électricité, on devra faire passer le cours de la rivière d'un côté de la montagne à l'autre, au moyen d'une digue de dérivation. En s'engouffrant dans la conduite forcée, l'eau entraînera trois turbines de 22 000 chevaux chacune. C'est ici, au bord du lac Gjanine, à plus de 190 000 au nord du golfe Saint-Laurent, que l'on trouve la toute première mine de fer de la compagnie Québec-Cartier. Bien que le projet n'en soit encore qu'à ses premiers balbutiements, les progrès se font rapidement. Des centaines de travailleurs s'affairent jour et nuit à la construction du concentrateur, l'une des plus grandes usines d'enrichissement au monde. Une fois terminé, ce concentrateur produira environ 23 000 tonnes de concentré par jour. Ici, à la Gjanine, on doit d'ailleurs prévoir suffisamment d'espace pour pouvoir stocker jusqu'à 500 000 tonnes de ce précieux concentré. Les derniers échéanciers révisés prévoient le début de l'exploitation de la mine à la fin de 1960.
En plus du concentrateur de Lake Janin, la construction de plusieurs autres installations est bien avancée. La charpente de cet édifice, avec ses deux étages, supportera bientôt un entrepôt et un atelier de réparation des plus modernes. À l'extrême nord de la propriété minière, environ 5 milles au-dessous de Lac Janin, se trouve la ville de Gagnon, la plus grande des deux communautés ayant vu le jour grâce à ce projet. Similaire à la ville de Port-Cartier sous plusieurs aspects, cette communauté a été conçue de façon à accueillir les employés de la mine et du concentrateur. On profite de la chaleur de l'été pour accélérer la construction des nouvelles demeures et infrastructures municipales à Gagnon et pour ne pas interférer avec le calendrier des travaux de la mine. Tant dans le cas de Port-Cartier que dans celui de Gagnon, on a prévu la construction des municipalités en retrait du site industriel. Cela permet également d'offrir aux familles, que l'on accueillera bientôt, un environnement plus agréable. Oui, les travaux de la compagnie minière Québec-Cartier sont sur la bonne voie. Le paysage se modifie du tout au tout à mesure que l'homme et la machinerie avancent et concrétisent cette nouvelle entreprise en plein cœur d'un Québec encore sauvage. Jour et nuit, des convois entiers de camions amènent les matériaux nécessaires à la construction du chemin de fer, des municipalités et des usines, dans le but avoué de respecter les échéanciers fixés par la compagnie minière Québec-Cartier. Aujourd'hui, 1er août 1959, les progrès sont manifestes partout, de Port-Cartier à Lac Janin. Port-Cartier, 1er avril 1960. Malgré les assauts répétés de l'hiver, sa neige et le froid coriace, la compagnie minière Québec-Cartier poursuit son avance et conquiert cette portion du nord du Québec. C'est dans ce pays nordique que des hommes courageux, guidés par des échéanciers serrés et profondément convaincus du potentiel canadien, poursuivent leur route à partir de Port-Cartier, sur le golfe du Saint-Laurent, jusqu'à Lac Janin. Partout, le long de cette voie de près de 200 milles, l'homme et la machine sont continuellement confrontés à ces deux ennemis implacables que sont le temps et le climat. Ici, c'est la partie la plus critique du chemin de fer que l'on appelle la Pince, un étroit et long canyon qui se profile dans un lit rocheux aux parois verticales. Des siècles de tranquillité sont à jamais révolus avec l'avènement des machines de terrassement, le martelage perpétuel des outils pneumatiques et les dynamitages intermittents. Bientôt, on verra ces énormes foreuses pneumatiques sur chenilles traverser la montagne sur une distance de plus de 2000 pieds afin d'y pratiquer l'un des trois tunnels de la section la plus rocheuse du nouveau chemin de fer. Environ 30 milles au nord de ce canyon, le long de la rivière Arch Jaune, la section principale du barrage réservoir est presque terminée. Puisque c'est ce barrage qui permettra la régulation des eaux de la rivière, on a introduit à sa base un dispositif de régulation des plus modernes. Le béton, fraîchement coulé, doit immédiatement être recouvert d'un film de polyéthylène afin d'en prévenir le gel.
Un peu plus bas, sur la rivière Arjun, au niveau de ces chutes d'une hauteur de 50 pieds, on achève la construction de la centrale, l'installation des turbines et des alternateurs sont presque terminées. L'érection des lignes électriques entre la centrale, les installations minières et Gagnon est finie. Les premiers kilowatts devraient être produits au mois d'août prochain. À quelque distance, au nord de la centrale, au 1180, la construction d'un pont de 360 pieds va bon train. Ces larges godets de béton qui fument en raison du froid intense témoignent du rythme des travaux. À peu près 200 milles au nord du golfe du Saint-Laurent et du port de Port-Cartier, lac Jeannine, sa mine et son concentrateur. Malgré la chute du mercure à 50 degrés sous zéro et la neige épaisse qui ralentisse les travaux, environ 80% des échéanciers sont respectés. Les fondations du concasseur et le tunnel des convoyeurs sont déjà réalisées. La charpente métallique du concentrateur est terminée et les fers blanchiers s'affairent maintenant à refermer l'enceinte. Les quatre premiers broyeurs devraient être installés en octobre et les huit suivants devraient l'être avant la fin de janvier 1961. L'atelier principal et l'entrepôt sont d'ores et déjà occupés et la construction des autres installations progresse de façon encourageante. And other related facilities are progressing along with the main construction. Face au concentrateur, la première des mines de la compagnie minière Québec-Cartier. Celle-ci est connue sous le nom de la mine de Lac Jeannine. Sa superficie est de 330 acres, elle s'élève à environ 380 pieds. Le développement de la mine a débuté à la fin de 1959 dans sa portion est et progresse au rythme anticipé. On prévoit que la mine sera en pleine production au début de 1961, fournissant plus de 20 millions de tonnes de minerais bruts chaque année. À quelques 5 milles au nord de la mine et du concentrateur, au bord du magnifique lac Barbel, la ville de Gagnon. La première phase de ce projet de développement domiciliaire pour les employés de la mine et du concentrateur et leurs familles est presque terminée et près d'une centaine d'unités sont déjà habitées. Dans les sections avoisinantes, les camps aménagés pour les travailleurs sont aussi bien occupés et la nouvelle salle à manger est presque achevée. L'une de ces bâtisses est maintenant utilisée à titre temporaire comme école. En tout, 8 professeurs donnent des cours à environ 80 élèves de 11 niveaux. Ici, à Gagnon, la seconde phase du projet de développement domiciliaire doit être lancée tôt ce printemps et comprendra 260 résidences supplémentaires, des immeubles à logement, des écoles et un hôpital. Bien que la neige et le froid puissent parfois engendrer des retards majeurs et coûteux dans la construction, la neige représente plutôt une source de joie et plaisir pour ces quatre jeunes. Enfin,